c'est la journée des vidéos aujourd'hui. Et voyez, j'ai mon super bonnet. Donc je viens vous parler d'une commande que j'ai reçue pour Noël, pour ma fille, chez Hop Toys. De chez Hop Toys. Donc c'est un site internet. Vous allez trouver plein de... Alors c'est assez divers. Vous allez trouver plein de jouets, plein de... Alors au départ c'est un site internet qui est fait pour les enfants ayant un handicap. Vous savez que ma fille elle a un problème au bras, elle a une paralysie du plexus brachial suite à l'accouchement difficile. Du coup en fait voilà, c'est les kinés qui m'ont parlé de ce site. C'est la première fois que je commande parce que j'ai pas eu l'occasion après. Elle avait assez de jouets comme ça, mais voilà, là j'ai décidé de faire une commande parce que sur ce site internet, moi je trouve qu'il convient aussi bien pour des gens, des enfants et des gens aussi, parce que c'est aussi fait pour les adultes qui n'ont pas forcément de problème dans le sens où vous allez trouver des jouets, des balles, des trucs sonores, des trucs lumineux. Il y a des choses qui sont vraiment adaptées pour la motricité, vraiment pour... Il y a des cuillères spéciales qui existent pour les enfants qui ont vraiment des problèmes, etc. Mais vous avez des jouets qui sont ordinaires, que vous pouvez trouver un peu partout. Et encore, je trouve qu'à Hop Toys, les jouets sont vraiment très intéressants et même mieux que dans les grandes surfaces ou dans des trucs comme la Grande Récré ou Maxi Toys, Toys R Us. Voilà, il y a des jouets qui sont vraiment sympas quoi, et pas forcément pour des enfants qui sont handicapés quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, sachant que moi personnellement je trouve que ce site internet il est vraiment il y a des choses qui sont très chères mais il y a des choses qui sont vraiment peu chères. Des balles que vous pouvez trouver à 1,95€ et moi j'aime bien. Je sais que les kinés se commandent sur ce site internet, elles en sont très contentes. Et il y a pas mal de catégories en fait quand vous arrivez sur le site. Il y a motricité fine, apprentissage, langage, communication, jeu de lumière, etc. Donc vous cliquez et en fait vous allez voir, il y a des choses qui sont un peu spécifiques pour les enfants même qui ont des problèmes pour parler, qui ont des besoins de, vous savez, ou des besoins de mémoire, etc. Les fameuses cartes, les mémos, il y a des livres, il y a plein de choses. Et il y a des trucs pour voilà, des livres, des trucs pour apprendre à parler avec des syllabes, les abécédaires, enfin, il y a plein de trucs. C'est vachement intéressant et je trouve que le prix est raisonnable. Alors, je vais commencer par les touchés carrés. Alors, en fait, c'est un petit sac, comme ceci. Derrière, vous avez un... Hein? Et en fait, dedans, vous avez une vingtaine de sacs. De différentes textures. Alors vous allez trouver des sacs soie, des sacs tout doux, des sacs avec des petits points, donc ça fait un petit relief. Vous allez trouver des trucs vraiment tout doux. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des petites choses en cuir comme ça. On trouve des miroirs. On trouve... Il y en a des choses. On trouve des petits scratch comme ça. Là. Donc voilà, ça va servir pour tous les enfants. Même les enfants qui n'ont pas forcément de problème, comme je disais. Il n'y a pas forcément besoin. Voilà, et puis il y a ça aussi comme... pas forcément... voilà, ça apprend aux enfants à toucher les différentes matières, à sentir les choses. Et voilà, c'est quelque chose... qui est courant et que même en maternelle,
enfin il y a plein de choses comme ça pour justement faire découvrir aux enfants les textures, voilà, et toucher, etc. Donc moi je l'ai pris parce qu'en plus ma fille elle a un problème, donc ça va en plus lui stimuler sa main, lui faire en plus découvrir encore plus de textures et de sensations sur sa main qui vont être différentes, et puis pas forcément que sur sa main, je vais lui faire toucher aussi au niveau du bras, etc. Donc ça c'est 22 €. Donc c'est pas donné, mais voilà, c'est un truc assez sympa. Alors là, je ne vais pas. Voilà. Je le déchire avec vous. Alors là, c'est super bien. J'adore. C'est une chenille d'apprentissage. Vous voyez, elle est quand même grande. Donc vous allez avoir plein de petites choses, voilà, scratcher, déscratcher, des petites choses comme ça, des fermetures avec la petite petit papillon arrangé dedans, et on referme les boutons, les lacets et un bouton pression. Ça c'est super bien je trouve, parce que ça apprend aux enfants à devenir un petit peu autonomes et à vouloir faire les choses eux-mêmes, à ouvrir les fermetures, à s'habiller quoi, tout simplement, et puis à être un peu plus dégourdie. Donc moi la mienne, enfin Roxane en l'occurrence, je suis sûre que ça va lui plaire, et c'est vrai que voilà, par rapport à toujours pareil son bras, ben voilà, ça va lui permettre de toujours elle va être toujours stimulée plus ou moins. Donc voilà, cette chenille elle coûte 15 €. Donc voilà, je trouve que c'est raisonnable pour une chenille. En plus, ah non, c'est la truc qui fait du bruit. Mais je trouve que voilà, pour le prix d'une chenille, elle fait 20 cm même. Non, elle fait plus de 20 cm. Elle doit faire 40-45 cm. Je trouve que c'est une bonne. C'est un bon prix. Ensuite, alors j'ai pris ça. Le fameux truc que. On a tous eu quand on était petit, le truc magique et tout, on se demande comment ça marche. Voilà, moi j'adorais ça quand j'étais petite. Donc du coup, voilà, il est gros, mais voilà, ça va être sympa. Donc ça c'est plus pour rigoler avec elle. Mais voilà, c'est toujours pareil, ça va lui permettre de faire voilà, des mouvements en l'air, etc. avec son bras, ça va. Voilà, ce sont des cadeaux là, Hop Toys, que j'ai choisi vraiment pour lui permettre d'améliorer au niveau de son bras, de tout ça. C'est un cadeau un peu, je dirais pas empoisonné, mais c'est un cadeau avec une intention cachée derrière et qui ne se voit pas directement. Parce que là, une chenille, un truc qui fait... le truc à arc-en-ciel, etc. Voilà, c'est des choses... Voilà. Après, elle va avoir d'autres jouets qui vont pas être du tout en rapport avec son bras, mais ces jouets-là, c'est plus en rapport avec voilà, son problème. Donc là, on a une chenille rigolote, moi, je trouve. Voilà, donc ça, on peut les acheter aussi. Je crois qu'on peut en trouver un peu partout, à Jiffy, etc. Moi, vu que quand même c'est pour un bébé, j'ai préféré l'acheter dans un endroit spécialisé où vraiment ça va être... tout est vérifié et c'est adapté pour les bébés. C'est un site spécialisé pour les enfants, c'est vraiment quelque chose. Elle va pouvoir le mettre à la bouche, je vais pas avoir peur qu'elle s'empoisonne ou qu'il y ait des mauvaises substances dans ces fameux dans cette fameuse chenille. Donc voilà, ça c'est pareil hein, ça va permettre mais d'étirer, de chatouiller comme ça sur la main, et puis elle va faire ça comme ça, elle va découvrir, donc ça va être bien sympa. Ensuite je vais défaire de toute façon. J'ai une balle pompon que j'ai achetée. Alors ma fille adore ça au kiné, donc du coup elle les met dans sa bouche comme ça et puis elle s'amuse avec sa langue, ça doit lui faire des guilis, je sais pas. Donc là c'est pareil, hein, c'est pour toujours stimuler au niveau du toucher et des sensations. Voilà, ensuite je lui ai pris une girafe. Alors c'est une girafe, mais pas n'importe quelle girafe,
C'est une girafe qui est lestée, c'est-à-dire qu'elle a du poids dedans. Bon, elle pèse pas non plus. Elle pèse pas 3 tonnes, hein, mais elle est un peu lourde, quoi. Elle fait pas. Je sais pas s'il y a marqué le poids. Il n'y a pas marqué, non, le poids. Mais ouais, il y a des petites billes de je sais pas quoi dedans, mais voilà, c'est un petit peu lourd, du coup. Ça va lui permettre toujours, pareil, de renforcer son bras, sa main et tout ça. Voilà. Et pour finir, c'est une balle. Ouh. Donc c'est une balle filée qui est retenue par un rond comme ça, là. Et en fait, alors j'ai été surprise parce qu'il faut quand même pas mal appuyer. Quand vous allez appuyer, ça fait... ça change de... Voilà, ça change. Si vous voulez, ça gonfle et ça vous fait des trucs rigolos, quoi. Donc, il faut quand même pas mal appuyer. Donc ça va être bien parce que justement, elle va pouvoir forcer. Parce que même moi, j'ai du mal à une main. Elle va vraiment pouvoir forcer et ça va lui... Ça va bien la muscler. Je veux pas en faire une bodybuildeuse, hein, mais ça va pouvoir vraiment renforcer ses acquis déjà qu'elle a... tous les progrès qu'elle a pu déjà faire, et là, elle va pouvoir s'en servir longtemps de cette balle, parce que même moi, j'ai du mal. Du coup, voilà, c'est tout. Voilà, donc en tout, j'en ai une pour... Je vous ai pas dit les prix pour tous en plus. J'en ai une pour 70 euros, quelque chose comme ça, pour cet article. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, 7 articles. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc voilà, je dis là, c'est des cadeaux spécifiques à son bras. C'est des cadeaux avec des intentions cachées derrière, mais dont elle ne prendra pas conscience puisque c'est un bébé et que... pour elle va s'amuser comme je sais pas quoi avec, et ça, disons que ça fait 2 ans, non, ça fait plaisir et ça nous fait plaisir aussi, et puis en même temps ça va la faire travailler sans qu'elle s'en rende compte. Voilà. Bah écoutez, sur ce, n'hésitez pas à aller voir ce site, il est vraiment très intéressant, il y a souvent des offres promo, etc. Et il y a plein de choses. Il y a même pour dans le jardin, si vous avez une maison et tout, il y a vraiment plein de choses. Et c'est vraiment adapté pour les enfants. Et je dis bien tout type d'enfants. Il n'y a pas forcément que pour les enfants handicapés. Il y a vraiment pour tous les enfants et même pour les adultes, je le dis, pour les adultes handicapés qui me regardent, il y a aussi des choses, il y a beaucoup de choses pour les enfants, mais il y a aussi des choses pour les adultes. Donc c'est intéressant d'aller ne serait-ce qu'y jeter un coup d'œil. Il y a des veilleuses pour la nuit, etc. Des choses qui font de la musique, enfin des trucs que vous pouvez acheter pour votre bébé. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez par rapport à ce site. Je vous mettrai de toute façon l'adresse du site dans la barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous fais des bisous et à bientôt !